Il vous souviendra que la Cour de cassation avait en son temps été saisie. Elle s'est déclarée incompétente dans les mêmes conditions et a envoyé ce dossier à la Cour constitutionnelle. Et vous avez suivi qu'une fois saisie, la Cour constitutionnelle, la haute cour, la cour des cours, s'est déclarée incompétente au motif, simplement, dans son arrêt, que l'action qui était engagée par les ministères publics contre le président du LGD, qui se trouve être le premier ministre honoré Matata Ponyo, je disais, l'action qui était engagée par le procureur général, qui est la Cour constitutionnelle, était inconstitutionnelle. C'est écrit. Nous sommes revenus et vous avez suivi cette cour sur soi, la Cour de cassation, sur soi à l'action qui était engagée par les ministères publics, de nouveau ici, dans un théâtre qui ne dit pas son nom, au motif, encore une fois, que cette action-là est inconstitutionnelle. Mais encore une fois, elle sur soi d'engager les procédures et nous dit qu'elle renvoie le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle qui s'était déjà elle-même déclarée inconstitutionnelle. Quelle foi! Voilà. Mais dans tous les cas, nous disons que nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Le Premier ministre Matata Ponyo, s'il y a une figure qui a déjà été peinte dans ce pays, c'est la figure du Premier ministre Matata Ponyo qui a été sculptée. Parce que dans ce pays, la gouvernance de qualité a un nom. La gouvernance de qualité a un visage. C'est le visage du Premier ministre Matata Ponyo Mapon. C'est ce que les Congolais retiennent de Matata et s'étonnent. Et s'étonnent qu'au lieu d'engager les vrais procès, et nous attendons ça, contre les voleurs de la République, qui se dénoncent eux-mêmes et qui sont connus, qui sont cités d'ailleurs dans les dossiers Congol Doc. C'est des voleurs qui sont cités dedans. Leur mode opératoire est même renseigné dedans. Leur nom y figure. Au lieu d'engager ces vrais procès contre ces voleurs qui sont connus, on perd son temps à faire le théâtre autour d'un homme qui a des mains blanches. Nous disons, tôt ou tard, la vérité finira par triompher. Vous y voyez une main politisée là-bas? Mais tous les Congolais comprennent que ce qui gêne le pouvoir en place aujourd'hui, qui peine à se défaire de l'étau dans lequel il s'est engagé lui-même, le pouvoir, j'ai dit le pouvoir Fachi, le pouvoir Tshisekedi, c'est que les jeunes, c'est la candidature déclarée du Premier ministre Matata Ponyo à la présidence de la République. Le Premier ministre Matata ne s'est pas déclaré candidat. Non, il est porté candidat par son parti. Et nous représentons ici un point très. Et si il pense que cette candidature sera retirée un jour, il se trompe. Le parti n'y reviendra plus. Il est candidat et va rester, il va demeurer candidat jusqu'à l'élection. Et ces élections, nous les attendons. C'est tout ce que nous disons à cette étape. Fini ce théâtre-là. Parce que dans tous les cas, les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, ces arrêts-là, sont sans appel. Et donc maintenant, ce théâtre-là, les Congolais disent que c'est maintenant. Et Simbité. Il y a un musicien qui a chanté là. Il a chanté et Simbité. Il a chanté et Simbité. Et que Simbappé, nous sommes sereins. Son parti est là, vous avez vu? Le parti est là. Tous les délinquants qui ont été mobilisés pour venir troubler l'ordre ont compris. Ils se sont retirés dans la sérénité. Nous sommes là.
et nous serons toujours rangés comme un homme derrière notre chef, le premier ministre Matata Ponyo, candidat aux prochaines élections, à la prochaine élection présidentielle. Merci. Nous sentons que ces dossiers font une très mauvaise tournure à la mesure où le juge vient de renvoyer l'affaire devant le juge de la Cour constitutionnelle pour motif de l'interprétation de l'article 164. Pourtant, c'est que je sache, l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle avait déjà, d'une manière implicite, tacite, déclaré la Cour constitutionnelle incompétente. Et donc, l'affaire étant renvoyée devant la Cour de cassation, on attendait plutôt la Cour de cassation puisse dire si elle était compétente ou pas. Mais curieusement, la Cour de cassation soulève l'exception de l'inconstitutionnalité, alors que les avocats du président professeur Matata Ponyo n'ont pas eu à soulever cette exception. C'est une déception, mais nous restons sereins. Nous faisons toujours confiance à la justice et nous savons que Dieu est là et les choses iront mieux. Pensez-vous aujourd'hui qu'il existe une main noire qui est en train de faire l'équité? Tout se dessine, tout laisse à croire qu'il peut y avoir une main noire, mais nous ne sommes pas encore là. Nous faisons encore confiance au juge. Nous savons que les juges ont fait preuve jusque-là de la scientificité et surtout de l'impartialité. Et nous espérons qu'ils vont garder cette ligne jusqu'à la fin. Le peuple congolais est témoin et nous interpellons le bon sens et le sens de la responsabilité du président de la République dans son statut de garant de bon fonctionnement de la République et des gardiens même du respect de la Constitution. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que l'arbitrage, un état de jeûne, un déni de justice, et c'est quand même déplorable pour l'avenir de notre nation. C'est à moi de vous dire merci. L'élu de la audience, il y a l'élu. Le sentiment du nouveau par rapport à la décision du courage. Le sentiment là d'abord, il y a une violation, il y a un comportement. Parce que, aussi pour le dit, la Cour constitutionnelle. Maintenant, le docteur Awa Lelo, par exemple, il y a des services de la Cour constitutionnelle pour interpréter l'article 160 de la Constitution. Pour le salaire qui est un avocat. Parce que, par exception, il y a un avocat qui est un les alaki liés à l'incompétence constitutionnelle, il y a un juge et un ancien premier ministre. La Cour de cassation a déjà des décisions pour s'il s'adossier depuis le 15 novembre 2021. On a évité tant de raisons pour la Cour de cassation. La Cour de cassation a ni mal pour recevoir le dossier parce qu'elle a si à décider qui déjà. Donc, je suis désolé parce que la Cour de cassation, il fallait qu'il à l'obadouan de Sénéli, mais n'est-ce pas le bel droit et dans le cola à se dessaisir dans le dossier. Parce qu'il y a une limite que pour constitutionnel, à cause de la décision, il y a pour se déclarer incompétent. Et donc, ISO, en tant que bana LGD, tout ça serein, parce que tu as dit que même si tu as dit que la Cour constitutionnelle a décidé déjà à bander la tête pour changer la décision de la Cour. Donc, le peuple congolais, base de la Navango tranquille, base de la LGD, base de la tranquille, il a dit que
dossier ce style-là déjà. La Lingi va inventer droit à Sita, mais et aussi Mbati. Donc voilà, message autre que le Bapo n'a procédé il y a des. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le président, vous pouvez assister, mais la mode, c'est comme si vous en attendez, c'est comme si vous dites que les politiques ont continué toujours pour l'année de la dossier. Non, les gens n'ont pas besoin d'un canal d'un an et cinq. Parce que pour les cassations, la maille et le moussous a beau être semélé dans le péché matata. Et bah exception. Professeur Yabinunga Soudeba qui est coach dans ma tête là-bas. Et aujourd'hui, les aïe locaux là, maman Botio a beau ici au libelle, aux ongles sous comme la libelle au yom, mais là qui parce que coup de cassation, coup constitutionnel, la loba qui est basali de chez lui dans le péché. Il est là dans ma yéle, il y a coup de cassation. A donc ici, si c'est pas une moto, il y a beau qui de chez lui, c'est la libération totale. Alors les candidats de Matata Koyo est favorable. Le peuple congolais doit voter la candidature du président Nabisso et de mettre au côté. Parce que justice, et Azé Soumé, on nous fait la vérité. Merci. Merci beaucoup. Vous avez retenu après ce prononcé de la Cour de cassation. En réalité, les PG ne vont pas dans la chambre. Il doit démissionner en principe. Pour quelle raison? Il renvoie l'affaire à la Cour constitutionnelle, c'est pour la deuxième fois. Alors que la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée pour la première fois qu'elle était incompétente de juger le Premier ministre honoraire et le président de la République honoraire. Il faudrait, sur pied des dispositions de l'article 178 de la Constitution, que le procureur général et la Cour de cassation exécutent cette décision. À lieu place d'exécuter, le premier arrêt de la Cour a réouvert encore l'instruction du dossier à cette audience d'aujourd'hui et renvoyé encore ce dossier à la même Cour qui s'était déclarée incompétente. Voyez que en réalité, les dossiers n'ont pas judiciaire. Action politisée, à votre avis? Tout à fait politisée. Pour quelles raisons? Je vais avancer les raisons. Vous prenez les enquêtes des Niger sur Boukangano. Dans les enquêtes des Niger, dans le rapport des Niger, on prend un engin qui existe à Boukangano. On le dit délibérément de ne pas l'écrire dans le rapport. Déjà au départ, l'action était politisée pour nous davantage. Nous qui suivons les dossiers de guerre, sans coloration politique, en tant que journaliste, analyste d'investigation, aujourd'hui les faits ne donnent raison. Même au dernier article, j'ai dit que la Cour de cassation n'est pas à mesure, sur pied des dispositions de la Constitution, de juger un Premier ministre. On aurait ni un Premier ministre en fonction, ni le président en fonction, ni le président en fonction. La Cour de cassation ne juge que le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, députés nationaux, députés provinciaux et quelques magistrats prêts à cette Cour et certaines personnalités. Pas le président de la République, on aurait ni le Premier ministre, ne peut juger le président de la République et le Premier ministre en fonction, c'est la Cour des cours. Puisque, après jugement, qu'ils soient reconnus coupables, ils sont déchus de leur fonction. Mais celui-ci, c'est un Premier ministre honoraire. En soi, il n'a pas été jugé. Et je pense que l'audience aujourd'hui, c'est une audience qui met fin au procès Matata. Et il faut que nous oublions ce procès. Merci. Et l'autre Oyo, ils ont la route, et l'autre Oyo, il faut faire avancer Mbokate, car la justice élève une nation. Pour qu'il y ait justice Siko et élevée nation, il faut justice Wana et le Bakabo solo. Il faut le Bakabo solo. Les autres outils pour l'Anda, ils ont été prononcés à la Cour de cassation par rapport à l'affaire Oyo Babanda qui peut poursuivre camarade du président national Nabisso, Augustin Matata Mpoyo Mapon. On a dossier pour Kangalonzo. Bango, Bazuini Soussou, va retourner à faire Oyo dans la Cour constitutionnelle. Contrairement à l'ami Aouti Koloba Awa,
parce que la Cour de cassation a été prononcée incompétente, mais indirectement. Et ça, déjà, incompétence, alors que déjà constitutionnel, déjà se déclara incompétente. Comme Bazoni Sikaka dossier Kuna, ça prouve déjà que camarade président national Nabiso a déjà libre la volatilité sous les locaux mon côté. Pourquoi? Parce que Cour constitutionnelle, une fois a décidé déjà sur l'affaire Mokoboé, a profité pour revenir plus jamais dans l'affaire Wana. Donc, il y a un peuple congolais qui a vigilé ma casse pour gérer ma larme, justice à mon canaille. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes confiants et nous sommes sûrs que Makambu Oyo est sili lilo en fonction de la décision politique de ma arme. Beaucoup constitutionnels pour revenir dès la décision de la joie déjà de nous. Merci beaucoup. Président Matata Zolandayo, nous avons eu par rapport à Nina. Président Matata Azola Nanga na minute oyo eloko na encouragement eloko na koyebisa eza ke peuple congolais aza fier na ye parce que banda ko diriger mboka oyo nyonso ya ezalaka exemple malamu. Si vous comme Bamoni qui est déjà prononcé qui candidat président de la République 2023, ma commis au banc a créé, ma procès, ma procès, on peut pas créer, ma commis au banc définir en mode si sous cabane déterminé côté nini, faut des alliés pour que va kangaï. Raison pour laquelle toujours bétélé ma beaucoup peut toujours accompagner parce que Aza, exemple à Malabo, Aza incarnation, il y a leadership transformationnel, il y a beaucoup cannabis. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez. Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramelle, check.